Là, je vais déposer le flexible. Carrément. Pour éviter que ça coule de trop, moi je vais prendre le bouchon de purge et je le mettrai sur le tuyau. Hop là. Même si je sais que ça va pas couler, je préfère quand même mettre quelque chose pour boucher l'orifice. Voilà. Et là, on peut extraire tranquillement l'étrier. La petite bague de maintien, faudra l'enlever pour le câble. Voilà. Ouf. Bordel. Ok. Déjà. Voilà. Donc là maintenant ça veut dire que je suis dans la merde. Voilà. Hop là. Ouf, putain. C'est une tannée hein, à déposer cette merde. Dans la logique, ça vient tout seul. Voilà.
Hop là. Normalement il y en a 4. Moi j'en ai plus que 3 parce qu'il y en a une qui est éclatée. Quand j'ai fait mes roulements arrière, j'ai pété l'une des 4 vis et je me suis pas pris la tête à en remettre une autre. Il y en avait encore 3 sur 4. C'était pas la mer à boire non plus quoi. Allez, celle-là. Voilà. Alors, surtout quand vous le retirez, vous faites attention. Faut pas l'abîmer. Faut surtout pas les borner. Cette vis là, on va la remettre là, éviter de la perdre. Donc, ce qu'on va faire, on va défaire d'abord la biellette de barre stable, on va défaire ce tirant là plus le tirant de l'autre côté, et après on verra pour enlever la vis du haut. Et voilà, on verra pour enlever la vis du haut, on va voir comment ça se comporte. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a l'amortisseur qui est en tension. Donc il faut vraiment faire très très attention. Ok ? Allez, c'est parti.
elles sont mortes. Elles sont complètement mortes, donc il faudra les changer. Ça, c'est un truc que j'avais pas prévu. Bordel. Quelle tannée. Voilà, les soufflets sont encore bons, mais là regardez, hein. Elle revient sur son point zéro, ça veut dire qu'il y a du jeu dans le corps. C'est mort, à remplacer. Avec du 19, ça fera l'affaire. Mais surtout, faites pas ça avec une douille de 12 pour quoi. Voilà. Avec une douille de 6 pans, vous pouvez vous permettre de forcer quand vous êtes en diamètre dessus. Mais sinon. Qu'on a déposé cette fameuse pâte là, on a accès au silent block qui d'ailleurs va être bon à être remplacé. Voilà la bébête, voilà la bébête. Si, ouais, là ça sera du 60. Thank you.
là. Ça comme des boboches. Bon. Voilà. Ça a parlé. Cette vis-là, elle est foirée. Je pensais que c'était l'autre côté, mais non, c'est ici. Thank you.
pouvez le voir, le bout de la vis est un peu foiré, en espérant que c'est récupérable. Voilà. Là, on peut enlever. Et là, tout est branle-bas-youtant. Parce qu'en fait, ce qui tient votre demi-train en pression, c'est ce petit bras-là. Impératif, enlever. Et là, tout ce que j'ai débloqué, ça ces cylindres blocs là faudra qu'on les change, je les ai achetés. Là vous le voyez pas, mais le deuxième tirant aussi je vais le déposer. Alors on va déposer le demi-train complet. Hop là. Voilà. Non. Là, maintenant on va défaire le dessus, la vis de tout à l'heure. Ah bah c'est tombé. Ah bah c'est tombé, chef, c'est tombé. Bon bah voilà, c'est cool, une bonne chose. Là, on tient le bon bout, Helmut, on tient le bon bout, on tient le bon bout dans une pipe en bois. Alors, voilà. Chercher une douille de 18. Douille de 18. Une petite clé de 22. Voilà. Voilà.
on va déposer ça, on dépose l'amortisseur et après on déposera le triangle supérieur. On va changer tous les cylindres blocs, tous sans exception, tous sauf bien sûr ceux du berceau. Hop là. Alors, on va s'offrir un petit moment de repos et on va déposer celle-là. D'abord, on va commencer. Là, on enlève la suspate, on enlève ça gentiment. On remet bien sûr l'écrou par-dessus. Alors ensuite, tac, je vais relever un peu la cam. Hop là. Donc là, on va défaire celle-là, comme ça le triangle il saute et on n'en parle plus. Enfin, on n'en parle plus. Façon de parler quoi. Alors, cliquer un quart avec douille de 40, avec un torse 40. Ça devrait faire la rue Michel. Viens, viens là toi. Mettre les plates qui s'envolent. Ah, ça va vite me saouler ça. Je le sens. Je sens que ça va vite vite me saouler ça. Putain, la tannée, c'est un truc de dingue. Bon. Les tuyaux se prennent la gueule, qu'est-ce que c'est désagréable. Oh putain que ça m'énerve.
Voilà. Ce qui est bien sur la vis du dessus, c'est qu'il y a un méplat sur la vis, et quand on tourne l'écrou, et ben la vis elle tourne pas. Voilà. Maintenant, en espérant que la vis soit pas trop longue. Sinon là, ça sent la dépose de berceau. C'est bon. Regardez. Il y a un méplat, donc ça se prend dans le berceau, et quand on tourne l'écrou, et ben ici ça tourne pas. C'est super. Maxificus, Velavicus. Et là, on peut extraire ce putain d'amortisseur de merde. Maintenant que le côté gauche est torché, maintenant on va s'attaquer au côté droit. Bon, bien sûr, je vous mets tout ça en timelapse. Pourquoi ? Bah parce que c'est exactement la même chose. Tous les endroits, bien sûr, où ça ne sera pas la même chose que le côté gauche, j'arrêterai le timelapse et je vous montrerai dans le détail. Vous allez voir, il y a 2-3 trucs qui changent entre le côté gauche et le côté droit. Et surtout quand on ne sait pas, croyez-moi qu'il y a certaines vis, on va mettre quand même longtemps à les chercher. Personnellement, heureusement que j'avais la RTA pour m'aider et m'aiguiller. Sinon, il y a certaines vis, je serais encore en train de les chercher, je pense. Donc les deux, faudra les retarauder et mettre de la tige vidée. Ah, peut-être pas. Peut-être pas. Celui-là, je l'avais serré vraiment comme un baudet. Il y a des moments où on ne se rend pas compte. Mais on serre vraiment trop fort. Oh.
J'ai tiré ça comme un con, bordel. Voilà, en oscillant, déposé. Et celui-là aussi, celui-là aussi, il n'est pas très clair. Il y a certaines personnes qui pourront dire que j'ai quand même une certaine aisance à faire le chantier, de la facilité. Mais il s'avère que, n'oubliez pas une chose, c'est que j'ai 20 ans de métier. En règle générale, moi, quand je vais à l'aveugle, comme sur un chantier comme celui-ci, parce que c'est la première fois que je dézingue une 407 autant que ça, eh ben, je me suis documenté au maximum avant de faire quoi que ce soit. C'est pour ça que j'ai une certaine aisance. Sincèrement, pour tous ceux qui ne sont pas du métier, qui sont bons bricoleurs quand même, munissez-vous de beaucoup, beaucoup, beaucoup de patience. Car n'oubliez pas surtout une chose. Si tu perds patience, tu risques de casser quelque chose. Et là, ça risque de coûter très cher. Enfin, bordel. Hop là. Putain, la tannée. C'est une blague, ce truc. Tête de one, c'est une blague. Jamais vu une merde pareille. Ah, moi, je vous le dis, les gars. Si vous voulez vous lancer là-dedans, armez-vous de patience. Hein. Sinon, vous êtes mort dans le film. Hein. Je vous le dis tout de suite. Moi, je suis pas là pour vous vendre du rêve. Ouais, tout est possible, tout est réalisable. En te grattant les fesses, ça ira plus vite. Non. Non, non, je te le dis tout de suite. Et la petite subtilité qu'il y aura entre le côté gauche et le côté droit, et ouais, c'est cet écrou, l'écrou supérieur, enfin le boulon supérieur d'amortisseur, et bah c'est bien celui-là. On a accès via le coffre juste à côté de la roue de secours. Donc là j'ai mis la caméra en extérieur, mais là je dévisse l'écrou pour enlever la vis. Oh, pas déconner, hein. C'est pas de la mécanique pour les tapettes. Hein. Voilà, amortisseur tombé. Et voilà les gars, les deux demi-trains arrière sont déposés enfin. Vous avez bien vu que quand même, ça reste quand même un sacré chantier. Pour professionnel ou non professionnel, documentez-vous et armez-vous de patience. N'oubliez pas que tout est en aluminium et c'est très fragile. Allez, à très bientôt la famille. Peace and love et paix sur vous. Et puis balance ton like, tonton. Balance ton like. Allez, abonne-toi, petit papa, petit pipi, ça fait plaisir. T'as toujours pas compris ce qu'a dit Wouldy? Un petit Paypal, un petit pipi, oui, un petit pipi, ça soulage, mais un Tipeee, c'est mieux. Paypal, Tipeee, ça fait plaisir. Tu t'abonnes, cloche de notif. Allez, peace and love et paix sur vous.